flamme brûlant mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte. Qu'on ne considérait même pas. Il dit, femme, donne-moi à boire. Il dit, écoute, nous les Samaritains, et vous les Juifs, on s'arrête. Maintenant Jésus dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais lui demander de l'eau. Amen. Amen. Et de fausse doctrine. Tu n'as même pas le seau et la corde pour puiser. Et le puits est profond. Mais comment tu auras l'eau? Jésus dit, moi si je te donne mon eau, tu ne viendras plus boire ici. Bon, c'est sérieux. Oh, donne-moi de cette eau. Il dit d'accord. Va appeler ton mari. Elle pensait qu'elle va séduire Jésus. Jésus dit, c'est vrai. Tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris. Et maintenant tu as le 6e. Il dit même le 6e de ton mari. Il dit tu as eu Paul. Tu as eu René. Tu as eu Colomba. Tu as eu Martin. Tu as eu Luther. Maintenant tu as Wesley. Ce ne sont pas tes maris. Il y a un 7e que tu dois voir. Amen. Amen. Toi tu peux vivre dans cette âme. Oui, il y a la doctrine de Luther. Là, nous avons un mari aujourd'hui. Amen, amen. Avoir le nouveau mari. Amen. Le messager. Maintenant, la femme dit non. Venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que ne serait-ce pas le Messie? Les sacrificateurs ont vu le même signe du discernement. Ils ont dit, tu es Belzébul. Mais la prostituée a dit, tu es le Christ. Maintenant, qui est enfant de Dieu? Frère Branham dit que c'était la prostituée. Elle s'est prostituée par manque de moyens. Il dit, mais à l'intérieur, elle était une semence d'Abraham. Il dit, mais les autres ici avaient seulement une forme de piété. Mais quand la parole est venue, ils l'ont rejetée. Et nous aussi ce soir, on ne sait pas qui est qui. Mais devant ce message, la manière dont vous allez réagir nous dira qui est qui. Amen. Parce que frère, il y a des gens qui ont fait 40 ans dans le message, mais qui sont enfants du diable. Je suis en train de terminer pour aujourd'hui. Mais je vais lire ça et puis écouter. Dans l'arche de Noé, Frère Branham dit que la colombe s'est perchée à côté du corbeau. Il y avait un perchoir. La colombe ici. Le corbeau là-bas. Il mangeait la même nourriture. Et vous connaissez le corbeau. Lui mangeait les pourris et les bonnes choses. Mais la colombe ne mange que les bonnes choses. Si la colombe mange les choses pourries, elle va mourir. Maintenant, Noé leur donnait toujours une bonne nourriture. 40 jours et 40 nuits.
siku 40 na usiku 40. Et aussi le temps que l'eau sèche, il s'est passé beaucoup de temps. Na unajua kabla maji kaoke kulipitika muda mrefu. Maintenant le pasteur de l'église. Sasa mchungaji wa kanisa. Qui était Noé. Ambaye alikuwa Nuhu. A regardé. Akatazama. Comment on a fait longtemps avec le frère Corbeau. Kwa sababu tumepita muda mrefu, tumepitia muda mrefu na ndugu yetu. Et qu'il n'a mangé que la bonne parole. Na amekula tu neno nzuri. Comme la colombe. Kama vile huwa. Je pense qu'il est déjà transformé. Alors, il prend le frère Corbeau. Anakamata ndugu yetu kunguru. Il dit frère Corbeau. Ambe ndugu huyo kunguru. Bon, va un peu voir. Wende kwanza huko nje wende kutazama. Si le niveau d'eau a baissé. Ikiwa maji yamesha shuka. Et tu viens nous dire. Na uje utueleze. La Bible dit. Biblia inasema. Quand il a lâché le corbeau. Wakati kunguru aliachiliwa. Le corbeau voltige. Kunguru aliruka. Il a vu le cadavre des individus. Akatazama maiti za wazee. Il dit alléluia. Alléluia. C'est ce que j'aime. Oh, il ne l'a pas. Il a commencé à manger le cadavre. Kula maiti. Il a arraché les yeux du cadavre. Kula macho ya yeye. Toute la pourriture. Hiyo vitu vyote vya kuoza. Noé a attendu. Noé akangoja. Il a attendu. Akangoja. Le corbeau ne revenait pas. Peu importe le temps qu'il a fait dans l'église, il n'était pas transformé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fils de Dieu depuis le commencement. Alors maintenant, qu'est-ce que Noé a fait? Il a pris maintenant le frère Colomb. Alléluia. Il dit frère Colomb. Depuis que le corbeau a quitté l'église, il ne revient pas. Ok, toi va voir. La colombe est partie. Elle a vu la pourriture. Elle est rentrée. Elle a commencé à tomber. Noé, je vais mourir dehors. La Bible dit, Noé a ouvert la fenêtre. Il a récupéré la colombe. Il dit la deuxième fois. Il dit frère va voir. Et il est parti. Après il est venu avec une feuille d'olivier. Akakuja na muti wa olivier. Alors. Na hapo. Noé a compris que non, c'est que l'eau a baissé. Oh, maji wako cha maji. Et quand il a lâché la troisième fois. La colombe est partie. Parce que la terre était sèche. C'est pourquoi Jésus a dit, n'arrache pas l'ivraie maintenant. Si tu le fais maintenant, tu vas commettre l'erreur d'arracher aussi le blé. Tu vas penser que la colombe est devenue notre frère et le corbeau est devenu notre frère. Et pourtant il ne l'est pas. Laissez-le croître. Laissez-le croître à la fin. On verra, oh, le fruit de l'ivraie. Oh, les blés, mettez dans les greniers. Lié dans le procès mondial des églises, en germe. Et mettez le feu. Et l'unité des églises aujourd'hui. C'est pour le feu. Na, umoja wa kanisa ni kwa ajili ya moto. Dieu les met ensemble pour le feu. Mungu anawatia pamoja na kusanya pamoja kwa ajili ya moto. Oh, celui-ci adore une statue. Na mnakati huyu kwanza anaabudu sana. L'autre prie ça. Na mwingine anaabudu hiki. Elle est musulman. Elle est protestant. Elle est tout le monde. Tous les médecins ensemble. Il faut prier quoi? Wataomba nini? La séduction. Mais c'est la prophétie de Dieu qui s'accomplit. On les met ensemble pour le feu. Ni unabii wa Mungu ambao unatimia ili wote waweko pamoja kwa ajili ya moto. Mais il que le vrai croyant du message. Lakini kimwamini wa kweli wa utume. Qui vont rester dehors. Mais à cause de cela. Na kwa sababu ya hiyo. Ils seront persécutés. Wataweza kupita katika. Et nous accepterons cela. Tutakubali hiyo siku. Pour l'honneur de Dieu. Kwa ajili ya utukufu. Alors il dit ceci. Et nabii anasema hivi. Il y a des jumeaux qui naissent de l'homme naturel et de l'homme spirituel. Il y en a eu dans le jardin d'Eden. Caïn et Abel. La même chose. Cela a commencé là et ça continue jusqu'au bout. Et considérez l'église. Jésus. Pasteur. Judas. Trésorier. Des frères d'une même tribu wandugu, et tout. Juste dans un même groupe. Walikuwa hakika katika kikundi kimoja. Une même église. Kanisa moja.
l'un pasteur, mmoja mchungaji, l'autre trésorier, na mwingine mlinda hazina, l'un un démon, mmoja shetani, l'autre Dieu, na mwingine Mungu. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Hivyo ndivyo mambo yanapitika. Jésus a dit, Yesu alisema, dans les derniers jours, katika siku za mwisho, les deux esprits seront si proches qu'il séduirait s'il était possible même les élus. Amen. S'il était possible. Amen. Amen. Abraham dit. Abraham dit. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça ne se fera jamais. Ils ne le feront jamais. Abraham dit très bien. Un élu. Même s'il va en enfer, Dieu va le prendre. Les sortir de là. Parce qu'il est une partie de lui. Parce que sans vous, Dieu est incomplet. Amen. Dieu a besoin toujours de chacun de vous. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, oh, quand Adam a perdu sa position, quand il était celui, Dieu est descendu. Il a commencé à chercher. Adam. 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 Où es-tu? Ukowa. Adam. 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 Où es-tu? Ukowa. Mais quand les anges, lakini wakati malaika, avaient quitté le royaume de Dieu, walipotoka katika ufalme wa Mungu, Dieu ne les a jamais suivis. Mungu hajawahi kuwafuata. Parce qu'ils ne feront rien pour lui. Kwa sababu hawatafanya kitu. Ils ne sont pas une partie de lui. Kwa sababu hawafanyi. Mais vous, vous êtes fille et fils de Dieu. Amen. Dieu ne vous laissera jamais dehors. Il ne vous laissera jamais que vous soyez celui. Amen. Si vous êtes ici ce soir, c'est pas par hasard. Amen. Dieu le savait. Il savait notre nom. Il connaissait les paroles qui seront dites. Il savait ce que ça ferait dans vos vies. Amen. Et je crois que Dieu fera quelque chose. Je sais. Amen. La parole de Dieu va vous aider, mes frères et sœurs. Amen. Je crois cela. Les jumeaux tout le temps. Alors nous avons commencé ça aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Et je crois que le Seigneur va nous bénir. De quel côté vous êtes? Et moi je crois que vous êtes la semence de Dieu. Amen. Parce qu'en fait, tout ce que le monde est, ce n'est pas facile pour vous de venir vous asseoir ici et écouter la parole. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se retrouver demain. Amen. Amen.